Mouvement de libération du Congo, MLC. Le président national. Décision numéro 002 par MLC par PN par 2020 portant modification de la décision numéro 009 par MLC par PN par 2019 du 15 novembre 2009 portant nomination des présidents fédéraux de la ville-province de Kinshasa. Le président national. Vu les statuts du mouvement de libération du Congo tel qu'amendé et adopté par les collèges des fondateurs du 28 octobre 2018, spécialement en leurs articles 45 et 52, vu le règlement intérieur à son article 77, vu tel que modifié à ce jour la décision numéro 009 par MLC par PN par 2019 du 15 novembre 2019, portant nomination des présidents fédéraux de la ville-province de Kinshasa, considérant la nécessité de restructurer les partis et redynamiser ses activités dans les fédérations de la ville-province de Kinshasa, vu les dossiers personnels de chaque cadre concerné, les bureaux politiques entendus, vu la nécessité et l'urgence, décide. Article 1er, sont nommés présidents fédéraux du mouvement de libération du Congo dans la ville-province de Kinshasa, les personnes dont les noms suivent. 1. Founa 1. Yeli Molangi Edi. 2. Founa 2. Zokabwa Henri. 3. Lukunga 1. Bilambo Likei Sylvestre. 4. Lukunga 2. Sito Mondombele. 5. Lukunga 3. Mabaya Kashiti Jacques. 6. Moamba 1, Malungeni Joseph. 7, Moamba 2, Mombenga Bokoyo Do. 8, Changu 1, Babala Wandu Fidel. 9, Changu 2, Wembe Bondele Joseph. 10, Changu 3, Bidiaku Ndikita Alexandrine. Article 2. L'honorable Ingila Bokolo Kovo est appelé à occuper d'autres fonctions dans les partis. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision. Article 4. La secrétaire générale et le président interfédéral, chacun en ce qui les concerne, est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 8 janvier 2020, Jean-Pierre Bemba Gombo. Mouvement de libération du Congo, MLC, le président national. Décision 001 par MLC par PN par 2020 portant désignation des coordonnateurs provinciaux ou fédéraux de la Ligue de jeunes du mouvement de libération du Congo de la ville-province de Kinshasa. Le président national du mouvement de libération du Congo. Vu le statut du mouvement de libération du Congo tel que modifié en ces jours, spécialement à leurs articles 37 45. Vu la décision du collège de fondateurs 001 bar FC bar MLC bar 2015 du 17 janvier 2015, vu la décision 004 bar MLC bar PN bar 2017 du 11 mai 2017 portant désignation des membres du comité exécutif national, vu la décision 003 bar PN bar MLC bar 2019, modifiant et complétant la décision 004/PN/MLC/2004 du 1er décembre 2014 portant réaménagement du bureau du comité exécutif national du MLC, vu la décision 004/MLC/PN/2019 du 15 novembre 2019 portant réaménagement du comité exécutif national, vu la décision 009/MLC/PN/2019 du 13 décembre 2019 portant création, organisation et fonctionnement de la Ligue de jeunes du mouvement de libération du Congo, considérant la nécessité de redynamiser les partis dont les fédérations du mouvement de libération du Congo dans la ville-province de Kinshasa, les coordonnateurs de la Ligue de jeunes du mouvement de libération du Congo, vu les dossiers de chaque cadre concerné, vu l'urgence, décide. Article 1er. Sont nommés coordonnateurs des fédérations du mouvement de libération du Congo dans la ville-province de Kinshasa, les cadres ci-après. 1. Madame Liema Mola Niklet, fédération de Founa 1. 2. Madame Libambu Mbunzu Shekina,
Fédération de Founa 2. 3. Monsieur Eitina Begakoma Daniel, Fédération de Lukunga 1. 4. Monsieur Malanga Keita Hugues, Fédération de Lukunga 2. 5. Monsieur Gongo Abazi Patricien, Fédération de Lukunga 3. 6. Monsieur Kumundala Monjoa, Fédération de Moamba 1. 7. Monsieur Eyaki Mandubia Luizon, Fédération de Moamba 2. 8. Monsieur Odila Rabi Lumumba, Fédération de Tchangu 1. 9. Monsieur Belanga Nzali Ose, Fédération de Tchangu 2. 10. Madame Atoki Bomongi Yvonne, Fédération de Tchangu 3. Article 2. Les membres des coordinations des provinces ou des fédérations sont à nommer conformément à la décision portant création, organisation et fonctionnement de la Ligue des jeunes. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision. Article 4. La secrétaire générale est chargée de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 6 janvier 2020, Jean-Pierre Bemba Gombo.